garde sera vigilante ici. Bon. Je crois que je vais aller voir. Allez, Phobos. Laissez le passage. Je me demande ce qui serait arrivé sans toi. Tu sais, Athènes aurait bien besoin de gens comme toi.
Très bien. Tu as mon attention. Un agent de l'ennemi nous suit et signale nos activités. J'ai de bonnes raisons de croire que cette vipère m'a déjà coûté quelques soldats. Tu veux que je tranche la gorge de cet espion ? Par Zeus, tu ferais ça pour moi ? Oh, tu peux cesser de t'inquiéter. J'ai déjà arrangé ça. Bien joué, mon ami. Tu as gagné ta paye, c'est certain. Accepte ceci en remerciement. Ça ira. Hein ? Tu prends pour Hermès ? Avance. Ça ne bouge pas. Thank you.
Je veux sortir. Sors-moi, toi, là-bas. Artemis t'a envoyé nous sauver. Merci, la bipède. Mais ce serait dangereux de parler ici. Retrouve-moi derrière le temple de la ville de Kios. Béni sois-tu, la bipède. Je suis Zoé, une fille d'Artémis. Merci de m'avoir libérée de ces hommes des pierres. Bipède ? En comparaison avec quoi ? Nos frères et sœurs à quatre pattes, bien sûr. Nous sommes tous égaux. Nos âmes sont identiques. Je n'y avais jamais vraiment réfléchi. Tu devrais. Nous avons tous un instinct animal. On en apprend tous les jours. Qui appelles-tu les hommes des pierres, au juste ? Ils sont venus de l'ouest il y a des années. Ils ont abattu nos forêts et creusé le sol pour construire leurs bâtiments en pierre. Tu avais l'air d'être en situation difficile et d'avoir besoin d'un coup de main. Ils étaient trop nombreux. Impossible de m'enfuir. Je suis libre. Je peux préparer notre vengeance contre les hommes des pierres. Notre vengeance ? Il y a quelqu'un d'autre ? Mes frères et sœurs à quatre pattes, les créatures des bois. Nous allons nous venger des hommes des pierres. Ceux qui nous prennent notre île. Ces hommes des pierres ont des armes et des moyens de défense. Ce ne sont pas des cibles faciles. Et c'est pour ça que j'ai besoin de mes amis animaux. Tu veux bien aller les libérer eux aussi ? En remerciement, je te donnerai mon meilleur arc. Les animaux doivent vivre libres. Je savais que tu penserais comme moi. Mes frères à quatre pattes sont retenus dans deux campements de la région des Boisés. Libère-les afin qu'ils retrouvent la nature. Je vais m'en occuper. Sa famille enfermée est dans la région des Boisés. Le campement forestier. Ce doit être le campement forestier. Où peuvent être les cages ? Par ici. Ces loups auront envie de sang dès qu'ils seront libres. Il faut être prudente. Le campement. Ces loups auront envie de sang dès qu'ils seront libres. Mieux vaut être prudente.
Faut que j'annonce à Zoé que tous les loups sont morts. J'ai fait ce que tu voulais. Ta famille est libre. Merci à toi, guerrière d'Artémis. Tu es digne de cet arc. Puisse le monde entier connaître tes exploits. J'en ferai bon usage. Ouh.